Enzo, viens me voir, Enzo. C'est à toi de jouer, mon grand. Oh là là, viens, Enzo. Viens. Ça va, Enzo ? Alors, Manon, elle était venue avec un dessin tout à l'heure. Alors, toi, dis donc, t'en as fait un paquet de dessins. Tiens, on va se rapprocher un petit peu du micro. Attends, je lève un petit peu pour qu'il soit... Vas-y, approche-toi un peu, que je vois. Voilà, là, c'est bien. Ça te va ? Oui. Fais un petit essai. Dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, tu me montres un peu tes dessins. T'es un vrai... Oh, dis donc, t'es un vrai dessinateur, toi. C'est pour qui, ces dessins ? Pour Anthony ? C'est pour nous deux ? Non, pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde. Alors, tout le monde aura un petit bout de dessin tout à l'heure. Alors, on va vous le montrer. Voici le premier. Ah, bah, t'as marqué mon nom, là. Philippe. Hop, je vous le montre. Regardez ça. Ah bah, on a un futur président de la République. On a peut-être un futur Picasso. Peut-être que ça, plus tard, on va se battre pour avoir ce dessin de Enzo, bien sûr. On a celui-ci. C'est quoi ? C'est une fusée ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est une maison, pardon. D'accord. Et le petit bonhomme à côté, c'est qui ? Ben, j'en sais rien. C'est un inconnu qui rentre dans sa maison, après le travail. Oui. Et puis le dernier, pour terminer ? Une maison avec des fleurs et de l'herbe. Eh ben, dis donc, c'est drôlement bien. Et le petit bonhomme. Bon, tu viens de quelle région, toi, Enzo ? La France. Tu viens de la France ? Eh ben c'est pas mal, c'est au moins un point commun qu'on a tous ici, là, pour le moment. T'es venu aussi avec tes parents, je suppose, généralement. Et c'est le monsieur qui te filme, là, c'est ça, ton papa ? Oui. Comment il s'appelle, lui ? Serge, qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton papa ? Il construit des maisons. Ah, c'est pour ça ! Bah, tu vois, il y a une explication à tout. Le papa construit des maisons. C'est pour ça que, là, depuis tout à l'heure, tu m'as donné que des dessins de maisons. Oui. Et tu veux être quoi, plus tard ? Toi, tu veux faire aussi des maisons ? Tu veux être architecte, par exemple, dessiner des maisons ? Non, je veux être chanteur. Ah, tu veux être chanteur ? Ça tombe bien, remarque, puisque là, t'es à l'école des fans. Mais disons, être chanteur, c'est un sacré boulot, hein, c'est du métier. T'as beaucoup répété, là ? Oui. T'as choisi quelle chanson de Michael Jackson ? Thriller. En plus, t'as choisi Thriller, hein, c'est ça ? Et en même temps, tu peux danser en même temps, parce que là, tout le monde a dansé pour l'instant. Oui. Tu nous fais une petite démonstration. Tu préfères quoi ? Tu préfères enchaîner la danse et chanter en même temps ? Ou alors d'abord faire la danse et chanter après ? Qu'est-ce que tu préfères ? Faire la danse d'abord. Une petite danse d'abord, histoire de se conditionner. On y va ? Oui. Enzo, mesdames, messieurs, un extrait de Thriller. On dirait Michael Jackson au ralenti. Un petit peu. Bon, disons, on y va là pour Thriller. Cette fois, tu la chantes. Détendu, hein, on est tranquille, on est entre amis là. D'accord, Enzo ? Allez, c'est parti, c'est Enzo et ça s'appelle Thriller. C'est... It's close to midnight and I'm seeing a blizzard king in the dark. And on the moonlight, you see a sight that I must have heard. You try to scream, but they rot. Take the phone before you make it. You start to freeze. Of our world looks wise between the eyes. Rub our lies. Cause this is Thriller night. And no one's gonna save you from the list, but the track. You know it's Thriller night. You find the scream. You fighting for life and for the killer night. Bravo Enzo, c'est vraiment bien. Bravo. Alors moi je vais te dire, je suis admiratif. Parce que t'as vu comment il sait le texte. Oui, c'est incroyable, il sait le texte. T'es un Américain en fait, Enzo. Enzo l'Américain. Enzo, c'est le... C'est le détendu de la bande. Ah oui. Il est cool, Enzo. Enzo, il te fait Michael Jackson comme ça. Non, c'était bien. Et franchement, t'as mis combien de temps pour apprendre ce texte-là ? Plein de temps.
T'as mis longtemps ? Oui. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais tu parles. T'as des cours d'anglais dans ton école ? Oui, tous les jeudis. Mais j'aime pas tellement. Pourquoi t'aimes pas tellement ? Parce qu'en fait, on apprend des mots que je connais. Parce que. Ben, comme ça, j'aime pas. Mais qu'est-ce que t'as appris comme mot en anglais ? Donne-moi deux, trois mots comme ça que tu connais en français et en anglais. Bonjour. Comment tu dis bonjour ? Good morning. Ça, c'est le matin alors. Good morning, ouais, t'as raison, c'est ça. Après ? L'après-midi. Si on se rencontre l'après-midi, alors tu me dis quoi ? Good afternoon. Ouais, exact. Oui. Bravo Enzo, félicitations. Bravo Enzo.